On a commencé là, tu t'abonnes et tu commentes. Et nous on se dit, bah, vidéo en fait. Allez, salut, salut. Tout par contre, ils sont pas trop stylés sur les noms des deux nouveaux brawlers. Ils ont tous les deux trois lettres. Sam et Gus. Donc trois lettres. SAMGUS. Bon, donc il s'appelle Sam. Vous aurez compris. C'est un dégât brut, un chromatique. Il sera pas guetteron pour la saison 14. Voilà, vous allez finir en volant chromatique à ce moment-là. Ça commence d'abord au niveau des légendaires, puis mythique, puis épique. Donc, le brawler qui va être épique, disons, c'est Jeannette. Donc, quand on sera en saison 14, ce sera Jeannette. Donc, si vous avez deux Jeannette, bah, vous aurez tout faire de l'épique. Tout simplement. Alors, Sam, un ancien ouvrier de la fabrique de robots, Sam Bronson, c'est peut-être une famille. Peut-être Doré, enfin, ça va peut-être aider pour une suite. Sam Bronson les déteste de tout son être dans le gang du Brawler. Il est là pour agir, pas pour réfléchir, et il ne fait jamais, il ne sait, il ne se fait jamais prier pour aller botter les fesses à un robot. Ok, les gars, désolé. Ok, les gars, c'est bon, je peux vous parler. Non, devant quand même de ça. Santé 5200, vitesse de déplacement rapide, attaque salade de phalange. Sam se déchaîne dans une déluge de coups de poing, ses poings d'acier rendent ses attaques encore plus précises. Dégâts à 800 fois 2, donc c'est 600, portée courte, vitesse de rechargement, bah donc bon. Ok. Ça ne change pas sa forme, spécificité, il a son super il a son super dès le début qu'il spawn de la partie là. Voilà. Sam lance super point explosif. Sam lance ses points explosifs qui inflige des dégâts à tous les ennemis sur leur trajectoire. À la prochaine utilisation de son super, Sam récupère ses points et inflige une nouvelle fois des dégâts. Dégâts 1400 portée longue. Le gadget, je vous rappelle qu'il y aura deux gadgets. Comme ça, tous les brawlers auront deux gadgets. Donc, on va voir si ils vont pas rajouter un autre truc. Pouvoir ça, il y a gadget pouvoir ça équipement. Donc, peut-être pas un autre truc. Mais peut-être si. Parce que tous les ans, il y a un nouveau truc. Bon, champ magnétique. Tant que les points explosifs se trouvent sur le sol, Sam peut les activer pour attirer vers eux les ennemis à proximité. Ok, donc en gros, j'ai l'impression qu'il met son ulti. Il n'y a plus sur le gadget et là ça fait une onde magnétique qui rapproche les ennemis. Bon, tout est un peu con s'il n'y a pas d'ennemis. Et tout même 3 par partie. Pouvoir star robustesse. Sam récupère 30% de santé dès qu'il récupère ses points d'acier. Alors là, ça va être fort. Parce que tu peux les lancer sur un mur, les récupérer jusqu'à l'infini. Mec, tu vas gagner 1000 PV en un coup. Bon, au niveau des équipements, les spéciaux, bah les spéciaux, bah ce sera pour plus tard dans le futur. Moi, je vous propose qu'on teste. D'ailleurs, il y aura aussi un autre skin qui sera Sam César, qui se bloquera pas les 70. Donc voilà. Ok, le plan est direct multi, donc je vous ai pas menti. Voici les notes. Ok, donc en gros il tombe dans ses points et après il fait le beau quoi. Même si les choses, bah en vrai il dit pas, on est un petit teuf parce qu'il a que la queue un cheveu. Même si j'ai encore une fois rien contre les choses, mais voilà. Donc en plus on peut voir des petits robots qui ont changé. Je n'avais pas montré ça dans la précédente vidéo là où j'ai testé la mise à jour. Ok, ils sont très stylés. Avant il avait un pistolet, il est direct son bras. Il fait toujours 60 dégâts. Ok, bon, on va tirer. Ok, 800, 800. Ça, c'est le pouvoir 1. Donc, je pense que pouvoir 11, ça doit faire du 1200, d'après ce que j'ai vu dans les stats. Ok. Le tag spécifique, ben, je sais pas c'est lequel. Ils n'ont pas parlé. Est-ce que, par exemple, tu peux toucher deux ennemis à la fois?
Attends. Ah non. Non, en gros, dès qu'il bute. Attends. Si. Ah si, si. Par contre, je comprends pas comment c'est pas comme El Costo là où c'est droit. Non, là, c'est comme El Costo avant, au tout début de sa sortie, c'était un cône et pas une portée normale pour moi. Ok, bon. Ça fait penser à El Costo, hein, parce que ça va pas du tout faire penser Nietzsche à El Poli. On va attaquer lui pour voir. Ok, 800. Ok, maintenant l'ulti. Imaginons, genre, je le mets là. Ok, donc ça fait 2400. Et là, vu que j'ai changé mon ulti, je peux le ramener. Vas-y, je le ramène. Ouais, mais il arrive vite, je trouve, hein. Parce que quand même, il est à l'autre bout de la map. Bon, on va essayer de faire, de buter beaucoup. Genre, on va le mettre là. Et il peut même le faire en ligne, ok. Enfin, une sorte de cercle. Et là, genre, si je le ramène comme ça. Ok, il a pas touché le robot, mais est-ce qu'il a touché le gros robot? Oui. Non, là, je sais plus. Bon, maintenant, on va le balancer, et donc, du coup, si je meurs dessus, ben, je le reset. Ok. Donc, si je fais comme ça, tac, PV, tac, comme ça, PV. Et quand il va faire ses gants, en gros, il a de la vitesse. Comme ça, on va attendre à savoir. Ah, ça bug. Maintenant, on va faire un petit combat coup de turbo. Pour voir si je fais pas one shot. Donc. Ok. Tac, 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 tac. Oh, ça va être fort. Ok, ça va être fort. Ok. Au niveau de la portée. Là, si je suis là, ça va environ, ouais, jusqu'au milieu du rond. Bon, les gars, maintenant, on va tester la vitesse, on va compter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. J'ai peut-être un peu accéléré, mais 13 secondes, je trouve que c'est classique, quoi. Maintenant, on va tester la résistance. Il résiste combien de temps? 1, 2, 3 coups, 4 9, 10. Oh, mais les gars, mais en plus, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, je pense qu'on a presque testé là. Ah, les petits points, on n'a pas testé les petits points. Ok, donc ça fait du 400. Donc je crois que c'est la moitié de ces gros points. Ok. Et là, du coup, là, on peut pas remettre les points. On est obligé de les réactiver comme ça, tu tapes là. Et après, tu peux les rebalancer. Tac, tac, tac. Et là, tu rebalances. Bam. Ouais, ah ouais. Ouais, je trouve que j'ai bloqué dans le mur. Je tentais un truc. Là, tu vois, là, je le balance, tac, 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 là, il revient. Ça prend un peu de temps quand même. Ok, bon, les gars, maintenant, on va passer au dernier truc de la vidéo. On va écouter ses paroles. With the old 1-2, you are outclassed. It's a knockout. Sucker punch. You're brand bred. You are outclassed. Gloves are off. Let's go beat up some bots. You are outclassed. Time for an argy bargy. Let's go beat up some bots. Put up your jukes. Time to win with the old 1-2. Playtime's over, kids. Time for bed. Ok, bon les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce nouveau brawler. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, pour moi, c'est un très bon brawler. Je mettrai un bon petit 9 sur 10. Voilà. Il paraît excellent. Donc les gars, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et Tiski. Allez, ciao.